Good morning, allez, Yidane, excusez-moi aujourd'hui, le Nishmat, François Fragi Ben Chana, Janine Ruth Bat Fortune Ben Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom, si vous souhaitez aussi d'une prochaine issue de Mishnah, comptez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechat Kiddushin, Perek Dalet Mishnahé. Ein Bodkin, Lomina Mizbeach ou le Mala, Velomina Duchan ou le Mala, Velomina Sanedrin ou le Mala. Vechol, Shehuchzeku Avotav, Mishotere Arabim, Vegabae Tzedaka. Masi'in la kehuna ve'eno tsarich livdok achareyen. Rabbi Yossi Omer, af mi shaya chatum ad ed be'avrchei ha'yeshana shal tzipori. Rabbi Chana ben Antigonos Omer, af mi shaya muchtav be'istratia shel melech. On a démarré dans la Mishnah précédente pour le Kohen qui veut se marier avec une femme. Combien doit-il vérifier sur la kashrout des parents, des grands-parents? Avec à présent des petites remises de peine. Imagine, tu fais ta recherche. On t'a dit maintenant, tu as vérifié 5 générations, 4 générations au-dessus de la fille que tu veux te marier, monsieur Cohen, tu ne te maries pas avec n'importe qui, il y a peut-être un quelconque ragot, on ne sait pas d'où ils viennent, ils ont débarqué, que. Ouais, ils sont venus de Russie, et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé là-bas pendant la période du communisme, on ne sait pas, c'est un peu bizarre. Comment ils se mariaient, comment ils divorçaient, comment quoi que ce soit. Donc tu dois vérifier. Mais avec bien sûr des moussagumes de l'époque, que par exemple, imagine tu commences à vérifier, tu vérifies maintenant, tu arrives à 2 générations dessus, tu vois que la grand-mère, en réalité, la grand-mère, Kodesh Kodashim, c'était la fille de telle qui était au Beth Amikdash, c'était un coin du Beth Amikdash. Dès que tu remontes en filiale, tu arrives à quelqu'un qui était au Beth Amikdash, un Kohen qui servait au Beth Amikdash. C'est bon, tu cherches plus loin. Tu cherches plus, c'est plus la peine de chercher plus loin. C'est glat kasher. Parce qu'au Beth Amikdash, on allait dans la Lishkat Hagazit, il y avait les registres des Kohanim et des Lévim et d'Israël. Chaque personne, on savait qui il était. Et toute personne qui était entrée, on travaillait au Beth Amikdash, on sait exactement qui ils sont, on connaît tout de leur kashrout. Enfin, de leur vie, ça va, chacun sa vie privée. Mais en tout cas, de leur kashrout, on sait tout. D'accord? Donc, si tu as touché en remontant une filiale. T'es arrivé là-bas, il y avait quelqu'un qui était au Beth Amikdash, qui servait au Beth Amikdash, c'est bon, c'est kasher. Même mieux que ça. De même aussi, Belomina Duchan Olma, c'est pas la même que c'est un Kohen qui servait au Beth Amikdash. Si tu cherches chez les Lévi et tu vois, tu arrives que c'était quelqu'un qui chantait ou qui jouait des instruments de musique au Beth Amikdash, le Duchan, c'est bon, tu t'arrêtes, c'est pas la peine de chercher plus. Belomina Sanhedrin Olema, pas non plus, si tu es arrivé que son grand-père, c'était un juge du Sanhedrin. Alors, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. À Yerushalayim, c'est précis dans le Barthé Nora. Vedavka Zavrin Yerushalayim. Mais même les petits juges de Yerushalayim, tout celui qui est servi au Beth Amikdash, dans tout le secteur de Yerushalayim, c'était du glad kasher des familles très parfaites. S'il y avait un brin de soupçon sur la cache-route des gens, on les excluait. Ok? Ça, c'est la riche. À part ça en plus. Velchol Shurzeku Avotav, Mushotri Arabim. Tout ce que ses ancêtres ont été, on a trouvé aussi, de même aussi, tu as trouvé que son grand-père, c'était un shoter arabim, c'était un policier. Mais c'est vraiment pas la police de notre époque, mais les policiers, c'est le policier de Shoftim et Shotrim. Shoftim et Shotrim, c'est dans la famille. Titan Khamechol Sharecha, qu'il faut mettre des pouvoirs exécutifs, et aussi de nouveau, on nommait des personnes super cachères. Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine. Alors, il rapporte ici le nom, d'abord, rectification. Il rapporte que d'abord, je ne sais pas pourquoi il rapporte ça, hein. C'est pas le Bartanoa qui le dit. Chotre Arabim, il y a beaucoup qui expliquent, c'est ceux qui jugeaient les dinimes d'argent. D'accord? Donc, en fait, c'est pas les policiers. C'est étonnant d'ailleurs. C'est rapporté dans Rashi, en fait, qui nous disent que c'est Daenim Balma. Ok? Donc c'est pas en fait les policiers. D'accord, on accepte, c'est pas les policiers, c'est plutôt les juges. Les juges qui jugent les tribunaux de différents d'argent, eh bien aussi sont cachés. Et de même aussi pour le Gabaï Tzedaka. Si on a quelqu'un qui est. On est arrivé que son père c'était lui le grand trésorier de la Tzedaka. Il travaillait, il était Gabaï Tzedaka. Gabaï Tzedaka, c'est ceux qui vont ramasser la Tzedaka ou ceux qui vont la distribuer aussi. Donc les gabets zaka, dès qu'on a touché, on prend là-bas des gens super cachés. D'accord?
Donc, ma signe la Kéouna Venot Sechriv, donc Achrem, dans tous ces cas de figure, dès que tu es arrivé là-bas, c'est pas la peine d'aller chercher plus haut. Rabbi Yossi Omer, Af Mishaya Khatum Ed, Ba Yeshan, Be'arre Yeshana Shal Tzipori. Alors là, c'est super technique, c'était à l'époque, il y avait Tzipori. Tzipori, c'est une ville dans le nord, je suppose que c'est Tzfat, je crois que j'ai déjà vu quelqu'un, je crois que c'est dans la Gemara dans Megillah, je ne sais pas si c'est Tzfat ou si c'est juste à côté. En tout cas, une ville qui est comme ça, quand on remonte de Tveria, qui a là-bas vu sur tout Tveria, comme un Tzipor qui est là-haut et qui regarde. Donc c'est une ville de Tzipori. Il y avait là-bas un tribunal qui s'appelait la Yeshana. La Yeshana, et donc dans le tribunal de la Yeshana, tous ceux qui étaient signés en tant que témoin dans la Yeshana de Tzipori, c'est bon, c'est aussi du Gelat Kacher. C'est comme à notre époque encore, ça existe encore. Je connais des gens qui sont en Suisse, je ne sais pas qu'est-ce que ça implique, mais ils ont un registre. Des gens de la Keïla de Suisse, de Bâle, ils sont, et là-bas, figurez-vous que je connais un converti qui est là-bas, un très bon juif, et bien figurez-vous qu'on ne le laisse pas, on ne lui donne pas, je ne sais pas, quelques droits spéciaux qu'on donne que... C'est comme ça, c'est un peu rude, c'est un peu violent. À notre époque, on est tous égalité, fraternité, tous les hommes d'être égaux, c'est un peu difficile à admettre, c'est un peu révoltant, même quand j'ai appris ça, j'étais un peu révolté de savoir que... On ne le met pas de côté, mais juste qu'on ne lui donne pas certains postes parce qu'il est guerre. Il est converti, quand la Kavodlo, on le respecte, on le fait dans la Torah, bien sûr, tout ça. Mais à certains postes, je ne sais plus exactement pourquoi, on ne lui donne pas. C'est un peu choquant, mais d'un autre côté, ça signifie que là-bas, malgré tout, si je propose quelqu'un qui est un bon juif de Bâle, bah figurez-vous que c'est sûr, c'est un bon juif de Bâle, qui n'a pas eu de tourloupe, avec un grand-père qui s'est marié avec une Goya, qui s'est converti chez les libéraux pour... C'est sûr que non, parce que là-bas, on tient bien les registres de la Kehila. Et donc, c'était un peu le même principe qu'il y avait à l'époque encore. Et qui nous dit aussi, Rabbi Hanan ben Antignos Omer, Rabbi Hanan ben Antignos aussi dit le même principe, avec autre chose. Af Mishaya Murtav Bistratia Shel Menech, lui dit, par rapport à autre chose, lui parle plus par rapport à celui qui vont sortir, ceux qui sortaient à l'époque des guerres de David Amener. Il y avait là-bas, une fois par mois, c'était lui qui devait faire les Milouim, il y avait une famille qui faisait les Milouim. Là-bas, on prenait que des gens aussi glat cachère, de super souche. Comme ça, ils avaient un super schout avot, puisqu'ils sont de très bonnes souches cachères. Et là-bas, on faisait attention. Donc, de partout où, en fait, où on fait très attention à tenir les registres et à la cacheroute des gens, et à bien préciser qui est qui et qui est quoi, parce qu'en fait, en réalité, pour les convertis aussi, il y a certains problèmes pour les convertis pour se marier avec les Kohanim. On le verra, ça, ce sera dans la prochaine Mishnah. Déjà, on en parlera exactement. Et... Donc on verra en tout cas, donc retenez le principe, si jamais on tient un registre des gens, bien, qui et quoi, et on fait bien attention, on est très méticuleux dans ce cas-là, dès qu'on arrive dans un... que son grand-père il était de Bâle, imaginez que c'est le cas, donc c'est sûr, c'est plus la peine de chercher plus loin, si la belle est dans le registre de la Kehila, parmi les bons gens cachers, c'est sûr que c'est cachère, et ils tiennent ça depuis des générations, donc voilà. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha, Kol Tov Veselam.